recevoir. Bonjour Fleur. Alors racontez-nous votre marque Antiplatique, comment, voilà, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui Alors, Antiplatique, c'est bon, pour moi plus qu'une marque, parce que c'est toute ma vie. C'est une aventure qui dure depuis 26 ans. C'est la création et c'est en même temps une entreprise à gérer, donc il faut avoir la double casquette. Ce qui me passionne et ce qui est génial, c'est de pouvoir travailler avec des artisans dans le monde entier qui ont un savoir-faire ancestral. Et je vais beaucoup en Inde, parce que je brode beaucoup à la main, on imprime à la main en sculptant des tampons en bois qui sont en teck, donc c'est déjà un bois très dur et déjà en soi c'est un art dans l'art. Et puis on imprime sur des tables, des longues tables, tous ces dessins qui sont spectaculairement bien faits, sans raccord, et voilà, et donc ça c'est magique. Super! Alors, on va parler un peu beauté. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre routine beauté du soir? Qu'est-ce que vous faites avant de vous coucher? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? La routine du soir, c'est de d'abord avoir une envie folle d'enlever tout ce qu'on a eu de stress et sur le visage depuis le matin. Donc je me lave le visage avec de l'eau fraîche, j'enlève le maquillage, ben voilà, avec ça, c'est super. Et ce qui est super, c'est une mousse, donc c'est beau aussi de pouvoir avoir des choses qui sont un peu douces après des journées rudes et de stress. Et ensuite, je me lave avec un coton pour enlever le maquillage. Je mets par exemple Talika pour enlever ce qui reste sur les cils, et je mets du par exemple de l'eau de rose, soit ça ou ça, sur le visage, et ça reste, j'ai l'impression que tout respire. D'accord. Voilà. En fait, c'est comme si on s'ouvrait à la nature et que la peau demande. Enfin, elle se relaxe et ensuite je mets de la crème parce que ça commence à tirailler. Voilà. Et vous mettez quoi comme crème? Alors, j'aime beaucoup cette crème-là et je mets aussi cette crème-là. Voilà, Filorga. Mais ça c'est super. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous faites le matin? Oui. Alors, le matin, c'est beaucoup plus sportif. Je me prépare pour la bataille, pour le sport de compétition. Donc, c'est douche avec des produits plutôt naturels. J'aime beaucoup... J'aime beaucoup des produits indiens qui sont d'une marque qui s'appelle Kadi. Voilà. Et j'ai un shampoing que j'aime particulièrement, qui est le shampoing à la lavande de Young Living, qui est une marque que j'affectionne particulièrement, où je prends beaucoup d'huile essentielle. Et savon. Et voilà, vraiment très... Et sur le visage? Sur le visage, je mets plutôt des crèmes. En fait, je me lave avec la même mousse du soir, et ensuite je mets la crème. Et ça va très vite le matin. C'est plutôt une routine un peu militaire au féminin, si on peut dire. Voilà, des choses plus... où il faut aller vite, parce que le matin démarre avec le réveil et c'est tout de suite
les rendez-vous qui s'enchaînent, voilà. D'accord. Est-ce que vous avez parmi tous ces produits sortis là, un coup de cœur? Alors, le coup de cœur, c'est celui-là. C'est le Divine Face Oil. Parce que je trouve que, d'abord, l'odeur, j'ai l'impression que c'est une odeur qui soigne, qui fait du bien, qui ouvre. Et puis surtout, j'aime beaucoup les produits qui sont doux, j'ai dit onctueux, mais je l'ai déjà dit, mais surtout de douceur et qui pénètrent dans la peau et qui ne laissent pas la peau grasse ou avec des choses voilà, qui sont inconfortables. Parce que dès qu'on sort, on a l'impression que tout ce qui est autour de nous s'accroche à la peau et on n'a pas envie d'être onctueux. On a envie d'être juste qui pénètre dans la peau à la juste manière et qui fait du bien. Voilà. Donc vous aimez bien vous mettre de l'huile sur le visage. Oui, beaucoup. Si vous n'aviez que 3 produits à choisir parmi tout cela, quels seraient vos 3 indispensables? Alors, tout d'abord, les huiles essentielles, particulièrement celle-ci, qui est une huile essentielle de Young Living, qui est mon secret pour ne jamais tomber malade, pour être dans un cocon vraiment où je me sens protégée, voilà, en quelque sorte. Donc il y a du clou de girofle à l'intérieur, dès que j'ai un peu mal à la gorge, une goutte sous la langue, je m'en mets derrière le cou, voilà. Et ensuite, cette crème-là que je mets le matin, je la mets le matin parce qu'elle me protège des rayons de soleil également. Et sa texture est particulièrement douce et laisse la peau non pas onctueuse mais parfaite. Voilà, donc c'est très beau. Et puis le Divine Oil pour le soir. Super. Est-ce que vous auriez un secret de beauté? Alors, le secret de beauté. Le secret de beauté. Déjà, c'est plusieurs choses pour moi. C'est se coucher tôt. C'est bien se nourrir, boire beaucoup d'eau. Sourire beaucoup, être heureux, mais heureux du cœur, enfin, pas juste... Et ensuite, j'aime beaucoup me laver beaucoup le visage avec de l'eau fraîche, de l'eau fraîche, de l'eau fraîche. Donc je trouve que déjà avec des produits qui sont des très bons produits faits par des très bons laboratoires, on n'a pas besoin de se dire oui, il y a beaucoup de choses, on peut faire des potions avec du yaourt, des choses comme ça, des concombres, etc. Mais ce n'est pas vraiment ça qui compte, je pense. Voilà. Super. Est-ce que vous auriez maintenant une adresse, un endroit dans lequel vous auriez été récemment, que vous avez beaucoup aimé? À Paris ou ailleurs, je sais que vous voyagez beaucoup, donc peut-être que vous avez découvert récemment. Oui, il y a des endroits que, comme ça partout dans le monde, je me fais mon petit agenda et j'aime beaucoup retourner toujours dans les mêmes endroits, en découvrir des nouveaux certainement. J'ai découvert un restaurant super à Barcelone la semaine dernière qui est évidemment, comme toute cette nouvelle mouvance bio, sans gluten, etc., qui est extra, qui est un peu comme une caverne qu'on pourrait trouver en Grèce avec du bois, voilà, c'est très joli, et avec des grands chefs qui font une cuisine sans gluten. En même temps... Ça s'appelle comment ? Terra Nova, ça s'appelle. Et en même temps, j'adore aller à la guinguette d'Angèle. J'adore acheter mes fleurs chez des Beaulieu, rue Henri Monnier. Et puis,
j'aime pas que des choses belles. Je trouve que c'est aussi beau de faire du beau avec du laid. Donc, c'est l'assemblage de différentes choses qui font du bien au cœur. Voilà. Merci beaucoup, beaucoup de nous avoir reçus, Gabriela.